Alors, attendez, il y a un petit problème. Voilà, là ça va mieux. Attendez, je vais peut-être éteindre ça, que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Attendez, on va mettre ça correctement. Voilà. Eh oui, j'ai un bonnet de Noël. Et je sais, c'est pas encore Noël. C'est dans un mois et demi. Alors, bonjour tout le monde déjà. On va se retrouver sur Farming Simulator 2013 annonce live. Ou annonce multi plutôt. Parce que je le ferai hors je le ferai hors multi hors live plutôt. Alors, donc comme vous pouvez le voir bien sûr, faut avoir Farming Simulator 15. Alors par contre, je vais faudra rajouter un mode. Juste un mode, c'est pour faire accélérer le temps en fait. Parce que voilà, le souci c'est que on peut pas d'origine, il faut attendre au moins 2-3 jours pour que le temps soit correct, quoi, on va dire. Pour que les pouces soient correctes. Alors, attendez, est-ce que je suis bien en multi? Je vais juste lancer. Créer une partie, redémarrer. Par contre, ça sera pas ce mot de passe là. Hein. D'ailleurs, je vais même l'enlever. Voilà. Alors, la partie, ça sera ça, nom de partie. Mais par contre, le mot de passe, je le changerai. Et puis là, je vais mettre 4 joueurs. Alors, ajouter les modes. Voilà, c'est celui-là qu'il vous faudra rajouter. Attends, d'ailleurs, je vais juste décocher. Est-ce que voilà, je peux décocher. Voilà, en fait, c'est celui-là qu'il vous faudra. J'essaierai de mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors, auto-acceptation, nanana, sauvegarde automatique, non. Voilà, ça va aller. Démarrer. Voilà, on va faire. Voilà, on va voir s'il y a du monde qui vont venir. Et ça mettra là vu que j'ai rajouté le mode pour accélérer le temps. Attendez, comme ça je vais rallumer ça, voilà. Je rallume un peu, que vous puissiez au moins me voir là, là, là. Alors. Alors. Alors, là, comme vous pouvez le voir, je suis à 5271. J'ai fait un emprunt à la banque de 200 000 en fait. Je pouvais pas faire autrement. Là, je suis en train de semer le champ 28 comme vous pouvez le voir. Et j'ai déjà tout préparé. Il reste plus qu'à faire accélérer le. Bah, il reste plus qu'à faire accélérer le temps. Là, il ne restera plus qu'à planter le 29. Après, on achètera, si j'ai assez, on achètera une tronçonneuse. Parce que, en fait, vous allez voir que. Bon, j'ai regardé une petite vidéo vite fait comme ça tout à l'heure là. Qui rapporte plus, c'est. Vous allez voir, je vais vous faire voir. C'est ces arbres là qui rapportent apparemment le plus vu qu'ils sont. On va dire droits. On va dire ça comme ça. Voilà, allez, hop, on fait échappe, échappe, retour. Voilà. Hein. Attends, bah, tenez, je vais même acheter la tronçonneuse. Non, je ne vais pas acheter la tronçonneuse tout de suite parce que il faut acheter. Faudra acheter ceci. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas assez de sous. Ou même acheter ce truc-là. Pour transporter les plus grandes, mais là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas assez de sous encore. Alors, le tracteur termine de cultiver le champ. Wally Wallou, et j'ai. Bah, je vous mettrai le lien en fait dans la description de la vidéo. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai le lien dans la description du mode qu'il vous faudra. Ou je vous le mettrai en commentaire, je vais bien voir. Là, je bosse juste un tout petit peu bah, pour voilà
pour vous faire découvrir un peu les modes. Alors par contre, les modes. Bon, cette carrière-là, en fait, vu que j'avais commencé une carrière multi dessus, mais j'avais triché un peu, j'avais augmenté l'argent. Mais là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, cette carrière-là sera sans triche. Voilà, ce sera pour éviter déjà, premièrement, que je lag. C'est pour ça que je prends que 4 personnes. Si je prends, admettons, allez, minimum 15 personnes, on pourra pas les faire. On pourra pas prendre 15 personnes dessus. Et tout à petit, on achètera du matériel. Déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté un pulvée et un réservoir. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je crois que c'était tout. Ouais, je crois que j'avais acheté que ça. Je sais plus. Et puis j'ai racheté un tracteur pour mettre le pulvée et le réservoir dessus. Alors bien sûr, je prends les plus puissants que je mets sur le cultivateur, que je mets sur le semoir. Voilà, parce que en fait sur le semoir c'est déjà parce que c'est 100 chevaux maxi, et là le tracteur, même le cultivateur, c'est 100 chevaux minimum. Maxi, vous pouvez mettre n'importe quel, vous pouvez mettre 300, 400, voire 500 chevaux. Mais là avec celui-ci, il fait 100, 145, et vous voyez 55. 51 000, je crois. Et tout à l'heure, j'avais testé, comme ça, vite fait. J'ai fait un petit test comme ça. J'ai découpé un arbre. Et apparemment, ça a l'air d'aller impeccable. Alors, par contre, pour les couper, ça va être. Voilà, ça va être. Ce sera un peu embêtant pour les couper. Vous comprendrez ça plus tard. Alors là, par contre, après on ira les champs là. Un coup que j'ai racheté le 25, le 30, on reniera tous les champs. Ça veut dire on fera avec la charrue, on fera un plus grand champ pour être tranquille. Comme ça, au moins déjà, ça nous rapportera déjà un peu plus de sous. Oulou. Mais par contre, là, à un moment que je couperai pas la route. Il y a des moments où je couperai juste la route, mettons du 29 au 30, et du 29 au 24, et du 30 au 24, et du 24 au 25, puis du 25 au 30. Et c'est tout, hein. Je couperai pas, mettons, dans le rond-point. Alors là, on va juste préparer tout ça, hein. Voilà, la remorque, elle est là, elle est lavée, elle est toute propre, elle est toute neuve. La moissonneuse, comme vous pouvez le voir, elle est là-haut. Elle est là. Alors aussi, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté une auto-chargeuse. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça aussi. Si, admettons, on fait un champ de blé, on fera un champ de blé ou un champ d'orge, on ramassera la paille avec ceci. Un coup que la paille elle est ramassée, on pourra aller la vendre. Et je vais vous faire voir où la vendre pour ceux qui sont pas au courant où la vendre. Voilà, attendez, on va attendre qu'il est fini lui. Et je prendrai celui-ci. Attendez, on va même y aller à pied. Alors vous allez voir. Alors c'est. Vous passez. Soit vous passez par là. Vous montez là avec l'auto-chargeuse. Ou même les balles. Hein, et. En fait, vous allez ici. Là, vous débarrassez la paille ici. En fait. Voilà. Voilà. Là ça c'est point de. En fait, ça c'est point. Excusez-moi du petit bruit avec la souris. Ça c'est le point de vente. Là, vous avez l'eau. En fait. En fait, l'eau. Voilà. Alors, apparemment, les peupliers, voilà, c'est cela en fait qu'il faudra couper. Voilà, c'est cela qu'il faudra couper.
Mais là, pour l'instant, on ne peut pas les couper, parce que vu qu'on n'a rien pour les transporter. Alors, voilà, apparemment, lui, il a fini. Comme ça, on va aller le laver. Comme ça, je vais le laver. J'ai même acheté le Karcher. Alors, je vous dis, hein, j'ai acheté bah, le réservoir à pulvée, plus le panneau à engrais, plus le Karcher. Et plus l'autochargeuse, je crois, plus un tracteur aussi. Voilà, comme ça, là, on va aller laver tout ça. Parce que là, il a l'air bien sale. Alors, hop, on va passer par là. Après, on rangera le matos. On rangera le matos, hein. Voilà, oh là, oh là, hop, ça glisse, hein. Vous voyez, et pourtant, et bah ouais, il n'y a pas de masse. Attendez, je vais acheter une masse. Et puis j'ai acheté des masses aussi. Par contre, je vais en acheter, voilà, celle-là. Hop. Alors, m'excuserai si je parle un peu du nez. Mais c'est normal. Est-ce que je suis retombé malade. J'ai rechopé la grippe. Ou la crève si vous préférez. Alors, par contre, il y en a qui disent, ouais, ils sont pas lavables les masses. Eh ben si, ils sont lavables. En fait, quand je vous ai fait voir dans l'épisode 3 de la carrière sans triche, de ma carrière solo, quand vous avez pu le voir, c'est que vous pouvez laver les masses. Et aussi, vous pouvez accrocher les remorques sur les masses. Attendez, je m'en retourne, voilà. Vous pouvez accrocher des remorques sur les masses. Comme ça, vous patinez pas. Hein. Hop, voilà, le Karcher il est là. Par contre, à mon avis, je l'ai mis trop près. Hop, on va se mettre là. Voilà, on descend, s'il te plaît. Voilà, je lave un peu le tracteur, puis on va finir ici. RCR. Alors, on va laver déjà la charrue. Non, pas la charrue, le cultivateur. Alors, regardez déjà, déjà là, ça rend déjà un peu plus propre. Voilà, hop, maintenant on lave la roue du tracteur. Vous allez voir que tout va disparaître tout à petit. Hop, je fais un petit cercle pour bien laver la roue. Et si je lave la roue, tout disparaît. Voilà. Et je vais vous faire voir où laver exactement. La masse. En fait, faudra la laver là sur le logo là, en fait. Voilà. Hein. Faudra juste la laver de faut être juste devant le logo par contre pour la laver. Hop, on remonte tout ça en haut. Hop. Là d'ailleurs, va falloir que je rachète un tracteur. Par contre, je sais pas si je peux accrocher les deux. Attendez, je vais tenter un truc, je vais voir. Non, apparemment, on peut pas. Non, on peut pas. Ben, c'est ça qui est embêtant. C'est dommage. Hop. Voilà, comme ça, je vais laisser ça comme ça. Ah oui, merci, la masse qui descend. Hop. Voilà. Tac, je laisse ça comme ça. Ah, là on est où? Bah il a presque fini. Ah non, il n'a pas encore fini. Voilà. À la rigueur, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ça, je vais les faire hors multi, puis hors vidéo. Et on se retrouve. Bah l'annonce, j'ai oublié de le dire, la date et l'heure. Bah ça sera mercredi. Ce mercredi-là, ça veut dire le 5 novembre à 14h, 14h30. Voilà, ça va dépendre. Voilà, ce sera 14h, 14h30, voire peut-être 15h, ça va dépendre. Voilà, si vous voulez me rejoindre, vous devez avoir Skype. Vous pouvez, ou alors, me joindre aussi sur Steam. Alors, Steam, mon Steam, c'est Alain du 51. Et mon Skype, c'est Alain. David.du.51.
Normalement, vous devez l'avoir normalement, vous devez l'avoir, je crois, en description de la vidéo. Mon Skype, mais si, je sais plus. Mais sinon, à la rigueur, je vous le mettrai. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo-là. Si vous l'aimez, mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne Twitch. Et aussi, allez faire un tour sur les chaînes de mes abonnés. Là, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et vous avez même le lien de la radio de Jimmy, la radio ETS2. Que je suis en direct un jour sur deux, voire un jour sur trois. Quand j'y pense, bien sûr. Et bien sûr, là, demain, je ne serai pas en direct parce que faut que je prépare le matériel pour le multi. Ou alors, je prépare le matériel parce qu'en même temps que je suis en direct sur la radio. Voilà, voilà, je vous remercie et on se retrouve mercredi 5 novembre à 14h en multi sur Farming Simulator 15. Voilà, je vous remercie et on se retrouve peut-être mercredi pour. Par contre, ça sera pas du direct, j'ai oublié de le dire. Ça sera 10 vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure, où on fait n'importe quoi. Hein. Mais enfin, pas n'importe quoi par contre. Hein. Et on va dire en 1 heure, si, admettons, si je gagne assez, en 1 heure. En 1 heure, voilà. On verra bien. Voilà, là, derrière, je couperai les vidéos en plusieurs 45 minutes. Voilà, je vous remercie. Et ce coup-ci, c'est vraiment fini. On se retrouve mercredi 5 novembre 2014 sur Farming Simulator 15 à 14h pour un multi. Voilà, je vous remercie et on se retrouve plus tard. À plus!